La fraternité éternelle vie de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité dédie une journée aux veuves. La fraternité a remis à 145 veuves des vives et non vives. Nous avons décidé d'honorer les veuves aujourd'hui parce que les veuves, on a vu que les veuves souffrent en général. En donnant un peu de riz, un peu de savon, un peu de l'huile et puis du sel. Ces veuves, issues de toutes les confessions religieuses, apprécient ce geste. Nous sommes très contentes même ce matin. On est contentes pour ce geste-là. Que le Seigneur touche leur cœur pour que nous ça continue. Parce que c'est dur. Cette journée a été aussi l'occasion pour le curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, le père Siméon Alou Kwame, de donner un enseignement sur la vie de la veuve. Dieu n'abandonne jamais les plus faibles, spécialement aujourd'hui les veuves. Et le devoir des veuves, c'est d'être attachés au Seigneur, à Dieu, de mettre leur espérance en ce Dieu-là qui n'abandonne jamais les faibles, ni les orphelins, ni les veuves. Que cette espérance soit source de joie, source de bonheur et de communion parfaite avec ce Dieu qui est toujours compatissant, qui est toujours solidaire à l'image de son Fils Jésus-Christ qui est venu faire le bien. La fraternité éternelle vie s'est donnée pour mission, entre autres, d'apporter aide et assistance aux personnes vulnérables.